Tu vas être servi. Cette montagne est plus chaotique qu'un rassemblement de Monster Trucks, un combat de catch. Et au sommet, vous pouvez apercevoir l'ignoble pic du broyeur. Je vais en faire mon terrain de jeu. Sérieux là? Tes doigts dans le nez. Cette coupe est dans la poche. Si tu arrives à me battre, mais ça n'arrivera pas. Ne sois pas si présomptueux, Raceys. Pour cette coupe, on a une petite surprise pour vous. Accrochez-vous. Cette année, la compétition Ken Crush prend une toute autre tournure. Je vous garantis un match de destruction et de chaos. Ce terrain est tellement périlleux que vous allez en perdre vos pots d'échappement. Des sommets vertigineux, des cascades et des pièges, sans oublier des loopings comme vous n'en avez jamais vu. Alors, c'est quoi la surprise? Pour cette compétition, vous devrez atteindre le sommet par équipe de deux. Quoi? Vous avez bien entendu. Le meilleur moyen d'affronter le chaos est d'avoir un partenaire à vos côtés. Sans plus attendre, les équipes. D'abord, Raceys et Tiger Shark. Défi accepté. Gare à la mâchoire. Five Alarm et Gunster. Sérieusement? Quoi? T'as peur que je sois le plus brillant? Gunster, t'as bien eu? Pas tant que je serai la star. Bigfoot et Bone Shaker. Écrase et fracasse. Et moi, je te broie. Enfin, Demo Derby et Mega Rex. Fureur et grognement. Un gaz dans le mille. En équipe, top là. Wow. Votre première épreuve va vous donner du fil à retordre. Atteignez la première étape. Une petite erreur et c'en est fini pour vous. Les deux premières équipes à avoir atteint toutes les étapes jusqu'au sommet du pic du broyeur se qualifieront pour la Coupe des Champions. Il y a une seule condition. Vous devez atteindre toutes les étapes avec votre binôme. Donc, travaillez ensemble. Ok, c'est parti. C'est parti. Oh, une dernière chose. La première équipe à traverser le pic du broyeur gagnera un avantage clé pour la Coupe des Champions. Donnez tout ce que vous avez. Allez-y, les Monster Trucks, et n'oubliez pas, 3, 2, 1, Hot Wheels! J'aurais peut-être dû leur parler des monstres cachés dans la montagne du chaos. Oh, et tant pis, se débrouilleront. Raceys et Tiger Shark s'approchent de la forêt infernale. Car au piège! Va falloir qu'on change ça. Ouais. Wow! Wouhou! Alors fais exactement comme moi et on arrivera à la première étape en un clin d'œil. Wow, wow! Et quitte à nommer chef, fais-moi confiance, Bone Shaker. Je sais ce que je fais. C'est Bone Shaker. Hein? Une déviation? C'est très étrange. Eh ben alors, qu'est-ce qu'il y a, vieux taco? T'as les chocottes? Suis le chef! Oh, c'est moi, le chef! Adieu, les cailloux! C'est dans la poche, Megabrex! Au revoir, l'arbre! Oh, c'est le meilleur jour de ma vie! On va gagner avec Megabrex, c'est sûr! On est imbattables! Les meilleurs des meilleurs! Regarde, on y est! C'est parti, mon grand! C'est le moment de mettre plein gaz et dans le mur! Plein gaz et dans le mur! Oh, oh. Wow! J'adore la fraîche odeur de la boue de bon matin! C'est quoi cette odeur? De la boue! 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 Tu sens mauvais, gangster! C'est l'odeur de la victoire! Oh, Berk!
Il va falloir se débarrasser de cette odeur. Hein? C'est quoi ce truc? C'est l'heure de la douche. Non! Non! Il semblerait que Gungster et Five Alarm peaufinent leur travail d'équipe. Ralentis un peu! Il y a un problème! On devrait faire demi-tour! T'as mis ton carburateur à l'envers! On va perdre si on fait ça! Hors de question! On est là pour gagner! Écrase et fracasse! Ah! Il n'y a pas meilleur que Bone Shaker! Hé, hey, démo derby! On a de la compagnie! Allons-y! Je peux pas! Hein? Pourquoi? C'est qu'un petit pont! Exactement! Un petit pont banal est la façon la moins risquée, et donc la moins cool de traverser! C'est pas mon style! En plus, c'est un ravin vraiment très profond! Laisse-moi rouiller ici! Attends une petite minute. Je suis en train d'avoir une de ces pensées, mais celle avec des images. Tu veux dire une idée? Oui! Reste ici. Qu'est-ce que tu dis de ça? Assez cool pour toi? Ok, oui, ça fera l'affaire. Prêt à voir la cascade la plus phénoménale de l'histoire des cascades? Un peu, mon feu! Alors, plein gaz! Premier gagnant, Demo Derby et Megavrex. Vous vous rapprochez un peu plus de l'ultime ascension du Pic du Broyeur et de la Coupe des Champions. Ouais. Génial. C'était incroyable. Pas mal. La troisième équipe est là, Five Alarm et Gungster. Oh, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai été nettoyé. Oh, ressaisis-toi, Gungster. Je suis propre! Je suis propre! On est les derniers! C'est une blague! Oh, et vous, qu'est-ce qui vous est arrivé? Des fausses habitumes! Des fausses habitumes? Il y avait des fausses habitumes! Et moi, je suis propre! Des fausses habitumes? Il n'y en avait pas dans cette épreuve! Ou vous avez dû sortir de la piste? Oh, je savais qu'il y avait un problème! Vous avez tous réussi le premier défi et atteint la première étape. N'oubliez pas, les premiers à atteindre le sommet gagnent. Camp Crush ne fait que commencer. Ok, les Monster Trucks, la première épreuve n'était qu'un jeu d'enfant. Les choses sérieuses commencent maintenant. Le premier tour n'était qu'un échauffement pour que vous appreniez à travailler en équipe. Pour atteindre la prochaine étape, vous allez devoir sortir des sentiers battus et anéantir ces sentiers. Bon, plusieurs itinéraires conduisent à la prochaine étape. C'est à vous de travailler en équipe pour l'atteindre. N'oubliez pas, vous devez arriver à l'étape avec votre binôme pour vous qualifier pour la Coupe des Champions. On va écraser la compétition comme les insectes. Défi accepté. Ok, les pilotes, partez. C'est moi qui pars en premier, je suis le chef! Dans tes rêves, oui! Attends, où sont les autres? On dirait bien que Raceace et Tiger Shark se dirigent vers la forêt infernale! Ils ont intérêt à garder leur phare allumé! Cette forêt est remplie de pièges en tout genre! La victoire est à nous. Je peux déjà sentir le goût de la coupe sous mes dents. Tu ne vas pas vraiment la manger? Peut-être une petite bouchée. Hé, hey, regarde! Ça sent le traquenard.
Ou alors le chemin de la victoire. Suis-moi. On est une équipe avec Gangster. Il est temps qu'on agisse comme tel. Il va falloir qu'on se concentre si on veut gagner cette course. Pour quelqu'un à cheval sur la propreté, tu ne veux vraiment pas te salir les mains. Il faut que tu apprennes à t'amuser. Gangster et Five Alarm roulent tout droit vers les falaises de la route du trépas. Ils vont devoir travailler ensemble s'ils veulent atteindre la prochaine étape. Je sais lâcher prise, mais je veux vraiment gagner. Observe et apprends, Gangster. Arriver aussi rapidement. Tu as tes méthodes, j'ai les miennes. Oh, c'est pas possible. On serait déjà arrivé si on avait fait les choses à ma façon. Comme prendre ce raccourci. Je ne pense pas que ce soit un raccourci. Ce n'est même pas la bonne direction. En plus, on risque d'être... Blablabla, Gangster prend les choses en main. J'aurais pas pu rêver meilleur partenaire. Megavrex et moi, on est le parfait mélange du chaos fracassant et des manœuvres délicates. Waouh, pas mal! Enfin un peu d'action! Fureur et grognement! Bah, c'était amusant. Mais par contre... Ok, mon grand, je pense qu'on va devoir... Fureur et grognement! On devrait passer par la forêt. Et moi, je dis par les falaises. On a besoin d'un fresh chef. D'un bolide qui sait ce que c'est que de gagner. À la fureur du moteur. Mais j'ai pas fini de t'expliquer à quel point je suis supérieur. Cette étape censée être très 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 proche a l'air très 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 loin. Il y a quelque chose qui cloche. Ça ne sent pas bon. Hey, je ne parlais pas de toi. Allons-y. Hey, regarde. Oh ouais. Regarde où tu vas. Un problème, Bone Shaker? Tu as du mal à suivre l'allure d'un vrai chef? Ah oui? Eh ben, tu vas voir! Hey, regarde où tu roules! Bone Shaker, attends! Tu conduis droit dans un... Pas un mot. Je pense que tu n'arriveras pas à forcer le passage, Megavrex. Pardon? Écoute, tu m'as aidé lors de la première étape avec ce looping au-dessus du canyon. À moi de te rendre l'appareil. Observe et apprends. Tu vois,
faut juste que tu mettes plein gaz dans le mille. Bon, laisse-moi essayer. Allez, filons à l'étape. Fureur et bonheur. J'ai toujours la main. Gangster et Five Alarm. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? C'est moi! C'est génial, non? Ah, tu vois, je te l'avais dit! Voilà la deuxième équipe! Bien joué, Mega Vrex et Démo Derby! Oh, wow, qu'est-ce qui vous est arrivé? Ne pose pas de questions! Bravo, les Monster Trucks! Vous avez atteint la deuxième étape! Gangster et Five Alarm, vous vous rapprochez de la victoire! Mais on n'en a pas encore terminé! Il vous reste encore une étape à atteindre avant la course du Pic du Broyeur qui vous qualifiera pour la Coupe des Champions! Oh non! On est les derniers! Hein? J'ai comme l'impression que quelqu'un s'est payé notre capot! La prochaine fois, on fera les choses à notre façon! Je suis bien d'accord avec toi! Vous avez fini de parler! Vous feriez mieux d'aller faire le plein avant le début de la prochaine course! Vous en aurez bien besoin! 3, 2, 1, on freeze! Les Monster Trucks, rassemblez-vous! C'est le moment d'attaquer la troisième course de la Montagne du Chaos qui vous permettra de vous qualifier pour la Coupe des Champions! C'est aussi l'épreuve la plus surprenante de Camp Crush! Je suis sûr que ce sont des pics géants! C'est toujours des pics géants! J'espère que ça a un rapport avec la boue! C'est vraiment tout ce que t'as en tête? Oui? C'est une première dans l'histoire de Camp Crush! Vous allez devoir atteindre avec fracas la troisième étape, les jantes accrochées à votre coéquipier! Cette épreuve repose entièrement sur votre travail d'équipe. Montrez ce que vous avez sous le capot. Vous savez ce qu'on dit. Une équipe qui détruit ensemble, gagne ensemble. Je préférerais être vendu en pièces détachées. Oui, pitié, vendez-le en pièces détachées. C'est la dernière ligne droite, les pilotes. Ah, c'est nul. Les deux équipes à atteindre le Pic du Broyeur en premier se qualifieront pour la Coupe des Champions. À vos marques. Prêt? 3, 2, 1, Hot Wheels! Avec Race, on pense que quelque chose de bizarre se prépare. Alors on a un plan. Les autres vont tous escalader la montagne, mais nous, on va passer en dessous. Hein? Allons-y! Arrête, tu vas abîmer ma peinture! Non, toi, arrête! Écoute, Bonechaker, c'est l'occasion d'atteindre le Pic du Broyeur en premier, mais ça n'arrivera jamais si on ne travaille pas ensemble! Tu rigoles, j'espère! Je suis Bonechaker! Je suis à l'eau solitaire! Je suis un Monster Truck qui n'obéit aux règles de personne. Je n'ai aucune pitié. Oh. Je n'en crois pas mes phares. Il est trop chou. Coucou, toi. Oh oui, il est très mignon. Mais t'en approches pas de trop près, ces bestioles sont teigneuses. Il faut qu'on aille à la prochaine étape. C'est qui le petit alligator? Wow! Et regarde, il y en a d'autres. Bonechaker, éloigne-toi de l'eau. Mais qu'est-ce qu'il y a, Bigfoot? T'as peur de quelques bébés crocos? Oh oh! Qu'est-ce que c'est? Des vieux panneaux, de la peinture séchée, de la boue puante. Ouh, je sais ce que c'est. C'est le paradis. C'est pas le moment. On est presque à l'étape. Tu pourras te salir plus tard. C'est pas juste. C'est toujours le bon moment pour se salir. Fureur et grognement. C'est
le meilleur jour de ma vie. Tu l'as dit, on pulvérise des épaves et en plus on va gagner. C'est la meilleure épreuve de Come Crush. Ouais. Wow, oh, oh, c'est la destruction parfaite. Tu veux réduire ça en miettes, démo derby, hein? Évidemment, pas qu'un peu. Ce serait pas une victoire écrasante si on le faisait pas. C'est quoi ça? Ça va te paraître un peu fou, mais on dirait un tunnel. C'est bizarre. C'est comme si quelqu'un l'avait dissimulé exprès. Oh, oh, Bon Shaker et Bigfoot ne doivent pas être loin. On ferait mieux de mettre les gaz si on veut arriver avant eux. Fureur et grognement! Hé, hey, qu'est-ce que c'est? Ça ne m'inspire pas confiance. Lui non plus. On déguerpit! J'aurais dû t'écouter, Bigfoot! Maintenant, on va se faire dévorer par les bébés crocos! Merci, ça fait du bien d'entendre ça! J'ai une idée, mais tu vas devoir me faire confiance! Ah, je suis pas sûr! Ok, ok, c'est quoi ton idée? Je ferai tout ce que tu veux! Suis-moi! Accroche-toi bien! Wow! On va se servir de ça? Seulement toi? Quoi? Fais-moi confiance! C'est pas passé loin, c'est sûr. Hé, hey, regarde, une sortie. Alors on met le pied au plancher. On y est presque. Ah, pas mal. Wouh. Bon travail, Tiger Shark. Tiger Shark. Oh, on a eu chaud. Pas vrai, RSS? Tiger Shark, ça va, mon pote? Oui, ça va. Mais je suis bloqué ici, avec ces pierres. Fais attention à toi, je vais chercher de l'aide. On est coéquipiers et on doit prendre soin l'un de l'autre. Fureur et grognement. Et regarde, l'étape. Pas si vite. C'est le pic du broyeur de Bone Shaker maintenant. qu'il partage avec son meilleur ami Bigfoot. Tartak. 3 équipes ont atteint le pic du broyeur. Mais seules les 2 premières à atteindre le sommet pourront se qualifier pour la Coupe des Champions. À vous de jouer. C'est l'heure du bazar, Gangster. Une idée brillante en tête, partenaire? Tu veux mon avis? Tu as dit que tu n'avais aucune pitié, n'est-ce pas? Tout à fait! Fais comme moi! Oh, c'est pas vrai! Hé, belle manœuvre! On va y arriver! Attendez! Hein? Hein? Ray Sace, où est ton coéquipier? Il faut que vous atteigniez le sommet ensemble pour vous qualifier pour la Coupe des Champions! Tiger Shark a des problèmes! Il y a un monstre sous la montagne du chaos. Il a provoqué un effondrement et Tiger Shark est bloqué. Hey! Eh bien, ce monstre ferait mieux de surveiller ses arrières, parce que j'arrive chaud devant. Et qu'il se méfie de Gangster. Tu veux aller casser du pot d'échappement, Megabrex? On t'accompagne aussi, Ray Sace. Pas vrai, Bone Shaker? Plus que quelques mètres. Ouais, ouais, on arrive. On te suit, Ray Sace. Bravo, les Monster Trucks! Il n'y a rien de plus important que d'aider un ami! On bouge! 3, 2, 1, Hot Wheels! Oh mon chéri, c'était absolument terrifiant! L'heure est venue pour notre dernier défi! Vaincre le T-Rex squelette pour remporter la Coupe des Champions! Je vois la coupe! Oh!
Ça ne va pas les arranger. Oh non, pas ça! Donne-moi ma coupe! Gare à la mâchoire! Je m'en occupe, Tiger Shark! Aïe! Faites gaffe, les gars! On a pissé aux champignons! Oh non, t'as pas intérêt! On dirait que Bone Shaker a une idée derrière la tête! Oh! Ça doit chatouiller! On a tout essayé, rien ne peut l'atteindre! Il va falloir travailler en équipe si on veut avoir une chance de battre ce T-Rex! Et ensuite, la coupe sera à moi! J'ai des comptes à régler avec ce sac d'os préhistorique! Suivez-moi! Five Alarm, occupe-le! Je vais lui rafraîchir les idées! On appuie sur le champignon! Allez! On recommence comme dans la caverne! Ah, t'arrives pas à m'attraper, c'est ça? T'as l'air d'aimer te servir de tes dents! Ça t'embête pas si je les casse pour récupérer notre coupe? Plein gaz! Dans le mille! Attention, j'arrive! Ça alors! Grâce à cette magnifique démonstration de travail d'équipe, il se pourrait bien que le T-Rex soit vaincu! On a réussi! Megavrex est de retour! Oh, c'était vraiment intense! Où est passée la coupe, Vrex? Il nous faut un vainqueur! Quelqu'un a demandé la coupe des champions! Nous avons un vainqueur! Bone Shaker a récupéré la coupe! À la fureur du moteur! Beau travail, mon pote! Bien joué, Bone Shaker! Très impressionnant! Oh, j'ai mal au coffre! Il était vraiment nul, ce raccourci! Oh, vous êtes là! Qu'est-ce que j'ai loupé? Pas grand-chose! Le premier arrivé en bas a gagné? Fureur et grognement! Allez, c'est parti! La course n'est jamais vraiment terminée avec ces Monster Trucks! Nous sommes de retour dans le tournoi des Titans! Nous sommes ici dans le lagon rugissant de slime visqueux! C'est mon lagon de slime visqueux à moi! Oui, c'est bien ça. Aujourd'hui, ces Monster Trucks des cavernes sortent de leurs grottes sombres et profondes pour s'affronter dans une compétition spectraculaire! Ces créatures s'élanceront face à face pour un choc frontal sans précédent sur le pont suspendu! Ah! Les vainqueurs resteront sur le pont! Les perdants tomberont dans le slime visqueux! Où un Megarex dévoreur géant les attend pour son prochain repas! Spectacle assuré! Megarex Bravo! Contre... Drivy! Ces deux créatures font un peu peur! Et bam! Quel choc frontal! Voyons les images au ralenti! Megarex Dragon et Griffin se rencontrent au milieu du pont dans un choc très brutal. Ils volent tous les deux en arrière, mais Griffin rate le pont et tombe directement dans le slime. Oh, Megarex Dragon est à un pneu de le rejoindre, mais se stabilise et se qualifie pour la suite. Qu'est-ce qu'il raconte? Raquette Scorpion contre Hydra. Aïe! Ce pont suspendu ne plaisante pas! Revoyons ça au ralenti.
Radiated Scorpion et Hydra descendent le pont. Hydra trébuche sur ses roues avant et part en saut périlleux contre Radiated Scorpion. Oh, ça doit piquer. Radiated Scorpion fait des tonneaux et atterrit sur le pont alors qu'Hydra s'écrase au sol. Vous connaissez l'expression ? Plane comme un papillon, pique comme un scorpion. Attention, il arrive ! J'espère que ce dino affamé aime ses camions avec un peu de slime. Oh ! Oh. Merci, trop aimable. Oh. Et savez-vous, chers spectateurs, qui regarde cette course du lagon de slime ? Il en connaît un rayon sur la vitesse. Race Ace, as-tu des conseils à donner à ces créatures des cavernes pour cette course ? Tout est dans l'accélération ! Ces camions des cavernes doivent foncer tête baissée plein gaz ! Wouhou ! One Eye contre Minotaur. Voyons un peu qui finira dans le slime du lagon. Slime-tastic ! Voyons cette course au ralenti. Les deux camions dévalent la pente. Waouh ! Minotaur perd l'équilibre et part en tonneau sur le pont. One Eye prend le pneu du Minotaur dans l'œil. Mais il parvient à rester sur le pont. Minotaur passe par-dessus bord et s'enfonce dans le slime. Je garde un œil sur cette coupe de titans. Voyons un peu si vous pouvez me battre. Undead Great One contre Mega Orca. Waouh! On ne voit pas ça tous les jours. Retour en image. Undead Great White et Mecha Orca dévalent le pont. Mecha Orca tente de reculer à la dernière minute, mais dévie de sa trajectoire et tombe. Oh, quel choc frontal! Mecha Orca s'envole du pont et passe par-dessus le slime. Undead Great White survit. Je suis prêt à planter mes dents dans la prochaine course. Dino très affamé, attention! Oh, 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 celui-ci avait l'air très croustillant. J'ai besoin d'une révision. Il reste maintenant quatre Monster Trucks rugissants s'affrontant en demi-finale. Mega Rex est un Monster Truck très familier des situations effrayantes, comme cette compétition du lagon de slime. Hey Mega Rex, penses-tu que ton cousin Mega Rex Dragon a toutes ses chances de gagner la prochaine course ? Je pense qu'il a voulu dire oui. Alors on continue. Mega Rex Dragon contre Radiated Scorpion. Aïe aïe aïe! J'en ai mal au nez de les voir se télescoper. Voyons le choc au ralenti. Oh, ce doit être douloureux. Mega Rex Dragon et Radiated Scorpion accélèrent dans la descente. Le choc frontal est tellement fort que les deux véhicules reculent sur les roues avant. Mega Rex Dragon perd l'équilibre et passe lentement par-dessus le pont. Au revoir. Radiated Scorpion se stabilise tranquillement et accède à la finale. Je suis toujours prête à en découdre. Attention, il y a du dragon au menu et ce dino est affamé. Ce Mega Rex dévoreur n'est jamais rassasié. One Eye contre The Dead Great White. Nous y sommes. Le vainqueur s'envole pour la finale. Waouh ! Quel choc frontal ! Voyons le ralenti. Avec un plongeon dans le slime ! J'adore !
One Eye et Undead Great White sortent comme des diables de leur caverne. Les deux camions se retournent en vol. One Eye atterrit sur le toit et tient à peine. Pendant que Undead Great White plonge dans le slime. One Eye est donc notre deuxième finaliste. J'ai l'œil sur la coupe. Attendez, ouvrez le vôtre. Et voici la course finale. Il est temps de faire peur, créature. C'est pour la Coupe des Titans. Qui retournera dans sa caverne avec le trophée? Peut-être Radiated Scorpion? Ou bien One Eye? J'en passe pour la victoire. L'œil seul peut voir la victoire. Les deux camions s'élancent et restent roue contre roue en passant le tronc jusqu'à la pente. Snakebite prend la tête au moment du saut. Radiated Scorpion et One Eye prennent leur élan sur la pente. Le choc frontal est inévitablement violent. Pneu contre pneu. Radiated Scorpion est propulsé en arrière et tombe du pont. One Eye est à un crampon de vaciller, mais il retombe sur le pont et remporte le titre. Une victoire impressionnante. On dirait que quelqu'un a toujours faim. Oh, ça doit faire mal. Oh, on ne peut pas toujours gagner. Oh. One Eye est donc la créature à battre. J'ai gardé l'œil sur le trophée et je l'ai eu. Il remporte la Coupe des Titans. J'espère que sa grotte aura une belle vitrine pour ce trophée. Wouhou! Merci de nous avoir suivis. On se re-slime très bientôt. Nous sommes de retour dans le tournoi des Titans. En direct du cratère météorique de Megarex, où la piste est brûlante comme de la lave. Merci de nous accueillir, Megarex, dans ton nid douillet. Voyons ce que les Monster Trucks devront affronter. Ils devront rouler sur la roche volcanique. Oh ! Puis éviter les astéroïdes qui tombent du ciel. S'ils s'en sortent indemnes, ils devront traverser l'énorme cratère fumant et s'envoler jusqu'à la ligne d'arrivée. Wow ! Megarex n'avait pas parlé de ça. On dirait bien qu'un Megarex dévoreur très affamé est décidé à dévorer des Monster Trucks. Qui arrivera au sommet et remportera la Coupe des Titans? C'est parti! Première manche. Motosaurus contre... Megarex! Wouhou! Quel duel d'ouverture! Revoyons les images. Un départ fumant pour les deux Monster Trucks qui évitent de justesse les astéroïdes. Hop là! Il plonge dans le cratère infernal et aïe! Motosaurus pique trop tôt et chute dans le cratère! Megarex navigue à travers le cratère comme un champion et s'envole jusqu'à la ligne d'arrivée! Quel spectacle de la part de notre hôte! Nous attendons l'imprévisible Demo Derby. Demo Derby, dis-nous, comment vas-tu battre la légende vivante Bigfoot dans ta prochaine course? Je suis un joker. Bigfoot n'aura aucune idée de ce qui va arriver. Ce sera un duel de légende. Demo Derby contre... Bigfoot. Quelle course! Les deux véhicules mettent les gaz et aucun d'eux n'est inquiété par la pluie d'astéroïdes. C'est Bigfoot qui perd pied dans le cratère et dérape. Demo Derby en profite pour prendre l'avantage et franchit la ligne d'arrivée. Demo Derby a gagné! Le Joker gagne toujours! Mais voilà le gros dino affamé!
Le Mega Rex dévoreur vient pour Bigfoot. Oh, il ne fait qu'une bouchée de ses grosses roues. Au suivant. Invader contre Race Ace. Quelle course! Impossible de connaître le vainqueur sans les images. Revenons en arrière. Les deux véhicules filent comme du magma en fusion. Leurs pneus se frôlent alors qu'ils plongent dans le cratère en même temps. Oh, oh, oh! Vous avez vu ça? Qui franchit la ligne d'arrivée? Il semblerait que c'est Invader! Invader accède aux demi-finales! Hors des sentiers battus! Rhinomite contre... 5 à la. Le vainqueur se qualifie pour les demi-finales. C'est incroyable! Revoyons les images. Bon départ pour les deux véhicules qui dévalent la montagne et évitent les astéroïdes. 5 à l'arme prend la tête, mais elle dévie sa trajectoire dans le cratère. Rhinomite prend l'avantage et pousse sa corde vers la ligne d'arrivée. Rhinomite a gagné. C'était la Rhinomite. Ce Mega Rex dévoreur mange vraiment n'importe quoi. Mega Rex, tu es un dévoreur de victoire. Tu dois utiliser beaucoup de dentifrice. Direction les demi-finales. Mega Rex contre Demo Derby. Un Monster Trucks gagnera et l'autre sera dévoré. C'était chaud! Revoyons cette course en images. Les véhicules évitent les astéroïdes de peu et foncent jusqu'au cratère. Mega Rex prend la tête avant le saut final. Oh! Mais c'est Demo Derby qui fait chauffer son moteur avant de sauter jusqu'à la ligne, arrachant la victoire! Demo Derby file direct en finale. J'ai tout donné pour remporter cette course. Que se passe-t-il? Je crois que le Mega Rex dévoreur est rassasié pour l'instant. Il s'entraîne pour la prochaine demi-finale, c'est Rhinomite. Dis-nous, quelle est ta stratégie pour remporter cette course? Être explosif. Je suis prêt à faire voler en éclats ce qui se mettra sur mon chemin. Ouais. Oh, d'accord. Invader contre Rhinomite. Wow! C'est très serré. Nous devons vérifier les images. Au départ pour les deux adversaires, Invader prend tout de suite de la vitesse et file vers le cratère avec Rhinomite à une corne derrière. Oh! Des astéroïdes ricochent sur Invader. Les deux camions chutent sur le sol. Et Rhinomite l'emporte d'un rien. Quelle course! Quelle finale! Rhinomite rencontrera Demo Derby en finale. Faites du bruit, ouais! Oh, mes rotules.
qui voici la course finale. Le Joker fera face au rhino rugissant. Qui fera irruption à la première place? Remontée à bloc et prête pour la gagne. Personne n'est plus rapide que moi. Les finalistes sont chauds comme de la lave. Qui remportera la Coupe des Titans? Découvrons-le. Rhinomite contre Demo Derby. C'est parti. Les deux véhicules approchent de la tempête d'astéroïdes. Demo Derby prend une légère avance dans le cratère. Mais oh non, Rhinomite est touché par des astéroïdes et se retrouve hors course. Demo Derby négocie son atterrissage et franchit la ligne d'arrivée sur quatre roues. Demo Derby gagne la Coupe des Titans. Oui, voilà de quoi je vous parlais. Un peu de punk, un peu de funk et beaucoup de victoires aujourd'hui. Demo Derby se hisse au sommet du classement et remporte la Coupe des Titans. Merci de nous avoir suivis et prenez garde aux Megamex dévoreurs. Heureux de vous retrouver, fans de Démolition, pour un nouvel épisode de Hot Wheels Monster Trucks sur les terres des héros, tous prêts pour Camp Crush. Les Monster Trucks sont de retour au pays des dinosaures, au Dino Rally de Megavrex. Voici nos trois demi-finalistes, Megavrex, Race Ace et Five Alarm. Ils sont prêts pour notre quatrième manche, le défi des trois champions. Qui l'emportera? Et qui sera voué à l'extinction? En plus, ces pièges préhistoriques ne sont qu'un aperçu de ce que les Monster Trucks devront affronter s'ils parviennent à atteindre le Camp Crush. Bienvenue dans Hot Wheels, sur les terres des héros, tous prêts pour Camp Crush. Mes adversaires n'ont pas la moindre chance de me battre dans une course préhistorique. Je suis un dinosaure. Quatrième manche. Megavrex contre Race Ace contre Five Alarm. Le dernier arrivé sera éliminé. Ouais! Les dinosaures sont partis, mais ils ont laissé de belles empreintes sur leur chemin. Rien de tel qu'une empreinte pour prendre de l'élan ou pour bloquer Megavrex. Il faut que je reste concentré et que j'évite tous ces cratères. 3, 2, 1, Hot Wheels! Un éboulement! Ces dinosaures ont dû déclencher un glissement de terrain! Trois devant! Il faut tracer! Tout doux! On évite les rochers et on tourne! Oh! C'est pas passé loin! Allez, j'y suis presque! Wow, wow, wow! Wow! On peut revoir ça au ralenti? Ça alors, on dirait bien que Race Ace est hors course. Megavrex et Five Alarm échappent au rocher pour passer la ligne d'arrivée. Allons prendre des nouvelles des Monster Trucks éliminés. Bone Shaker a-t-il déterré de nouveaux fossiles? Tout va comme tu veux. Déterrer des fossiles, c'est facile. Il suffit de tout retourner à la fureur du moteur. Alors ça me plaît. Personne ne peut rivaliser avec le plus grand des carnivores. Je suis là pour gagner. Dernière manche. Five Alarm contre Megavrex. On dirait que les ptérodactyles ont décidé de se joindre à nous. Des fientes de dinosaures? C'est pas vrai. Vous n'étiez pas obligés de nous bombarder. Regarde où tu roules. Qui remportera la course finale? Le camion de pompiers concentré ou le dinosaure déterminé? 3, 2, 1, Hot Wheels! Ouais! Déluge de fientes préhistoriques sur la piste! Les Monster Trucks arriveront-ils à rester au sec? Ouais! Wow! Ah! Megavrex prend une sacrée saucée! Mais parvient malgré tout à rester sur ses roues! Il colle au pare-chocs de Five Alarm!
En plein dans le mille pour les ptérodactyles. Megavrex est couvert de fientes et immobilisé dans le cratère. Faivalam en profite pour lui arracher la victoire. Oh ouais. C'est quoi cette arnaque? Les dinosaures devaient m'aider à gagner et non me bloquer. Même quand vos concurrents sont prêts à tout pour gagner, il faut apprendre à garder la tête froide. Génial, un fossile! Je vous préviens, c'est le mien. C'est quoi ce truc? Il me rappelle un peu quelqu'un. Qu'est-ce que vous regardez? C'est Megavrex! Le sang-froid et la concentration de Five Alarm lui ont permis de triompher des dinosaures et de décrocher une victoire cruciale avant le Chem Crash. Je vais fêter ça à la station explosive. Je me suis bien concentré et il est temps de me vider la tête. Wouh! Chaud devant! Wouhou! Chaud devant! Après une dure journée de compétition et de provocation, les Monster Trucks aiment se retrouver à la station explosive pour s'adonner à leur passion commune, la destruction. Regardez ça! Je vais vous montrer qui sera le meilleur Monster Truck à Chem Crash. Ces Monster Trucks s'entraînent sans relâche pour leur défi suivant. Lequel d'entre eux parviendra à prouver qu'il est digne de participer à Chem Crash? Découvrez-le dans le prochain épisode de Hot Wheels sur les terres des héros, tous prêts pour Chem Crash. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Hot Wheels Monster Trucks sur les terres des héros, tous prêts pour Chem Crash. Ici au Dino Rally de Megavrex, des monstres préhistoriques se mesurent à des Monster Trucks des temps modernes. Rien n'arrête un dinosaure, vous allez regretter d'être venu. Les Monster Trucks vont s'affronter dans une course de descente pour déterminer s'ils sont dignes d'atteindre le Chem Crash ou s'ils sont voués à l'extinction. Ça va grogner et ça va foncer. Ça va croquer et ça va s'écraser. Tous mes petits copains les dinosaures ne feront qu'une seule bouchée de vous. Cette piste ne fait pas de cadeaux. Elle est cruelle et dangereuse. Ça sent l'extinction massive. Quelqu'un souhaite dire un dernier mot? Défi accepté. Regardez Hot Wheels sur les terres des héros. Tous prêts pour Chem Crash. Fureur et grognement. Parfait. Des dinosaures ont décidé de piétiner la piste. Je sens qu'on va bien s'amuser. Première manche. Megavrex contre Gangster. Déchez-moi ici, Gangster. Si tu ne fais pas attention à ton coffre, tu vas finir dans une fosse à goudron. Ça tombe bien, je n'ai pas de coffre. Je te laisse découvrir la piste du Trias. Seuls les Monster Trucks les plus féroces peuvent survivre ici. 3, 2, 1, Hot Wheels. Bien joué. Une seconde de plus et il se faisait aplatir. Megavrex heurte un os de dinosaure et fait un soleil. C'est un dino salto. Mais ce n'est pas ça qui va arrêter ce Monster Truck. Megavrex remporte la course. Il a prouvé au dinosaure qu'il avait sa place ici. Voyons ce qui est arrivé à Gangster. Qui a laissé traîner des œufs? Gangster fonce tête la première dans des œufs de dinosaure. Vous connaissez l'expression, on ne peut pas gagner de course sans s'écraser dans quelques œufs. Megavrex glisse jusqu'à la ligne d'arrivée. Ouais! Allez, mon pote, on fait un check! Megavrex a vaincu Gangster et se qualifie pour la manche suivante. Fureur et grognement! Deuxième manche, Demo Derby contre Racers! Ces dinos n'ont pas intérêt à se mettre en travers de mon chemin. Moins de blabla et plus de dégâts. 3, 2, 1, Hot Wheels! Demo Derby fait du hors-piste et tente de passer sur la tête du T-Rex. Mais elle rate sa réception et part en tonneau. Race esquive les obstacles et atteint la ligne d'arrivée le premier. Il se qualifie pour la suite. Là, j'ai touché le fond. Ça a l'air super collant. Demo Derby a trop de chance. J'ai trébuché sur ce fossile débile. Maintenant, je vais devoir me rincer avant ma prochaine course. Gagner, c'est vraiment mon truc.
On aura droit à un combat entre rapidité et férocité quand Raisex affrontera Megadrex tout à l'heure en demi-finale. Découvrons tout de suite qui sera leur adversaire. Troisième manche. Five Alarm contre Bone Shaker. Concentre-toi. Slalom entre les pattes. 3, 2, 1, appui! Ils foncent tout droit vers les pattes du dinosaure. Parviendront-ils à les éviter? Concentre-toi et fonce! Hé, fais gaffe, toi! Aïe, 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 Bone Shaker prend un coup de pied dans le radiateur! Et Five Alarm décroche la dernière place en demi-finale! Ce parcours était trop chaud pour toi, Bone Shaker, hein? Où est-ce qu'il est passé? Je l'aurai la prochaine fois! Je suis sûr qu'il n'a rien. Wow, fossile! La classe! Je me demande s'il y en a d'autres! Je vais m'entraîner un peu à la station explosive, histoire d'être prêt pour le Camp Crush. Je veux être sûr de démolir tout ce qui se trouvera en travers de mon chemin. Viens à la mâchoire! Viens! Il faut que je recommence. Joli saut, Tiger Shark! Tu savais que le meilleur moyen de déterrer des fossiles, c'était de foncer dans la terre? Chaud devant! Trois Monster Trucks se sont qualifiés pour la suite. Mais qui remportera la victoire et partira favori à Camp Crush? Quelle journée préhisto-épique! Gumster a essayé de faire une omelette. Raysay a repeint la carrosserie de Demo Derby. Et Five Alarm a transformé Bone Shaker en fossile. Les Monster Trucks qui ont survécu vont devoir en découdre pour prouver qu'ils sont dignes de participer à Camp Crush. C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode de Sur les Terres des Héros, tous prêts pour Camp Crush. Bienvenue à Camp Crush. Nos Monster Trucks ont survécu au premier défi destructeur, la redoutable bataille de peinture, avec une victoire écrasante de Bigfoot. Mais ceci n'était qu'un petit échauffement comparé à ce qui attend nos compétiteurs qui vont maintenant devoir s'affronter dans un véritable choc de pare-choc. C'est parti! Préparez-vous, ça va chauffer! Ouais! Bien, écoutez-moi. C'est l'heure du deuxième défi destructeur qui, je vous le rappelle, vous permettra peut-être de participer à la Coupe des Champions. Admirez! Lors de ce duel, vous devrez vous propulser dans les airs à l'aide des rampes afin de vous percuter en plein vol! Voyons voir qui sera capable de maîtriser l'atterrissage après avoir dominé son adversaire! Sans défi, accepté! Gangster Adder! Mais ce n'est pas tout! Il ne s'agit pas d'un simple affrontement dans les airs. Il y a également une cible et vous devrez tomber au plus proche du centre pour obtenir un badge. Chaud devant! J'espère que cette cible résiste à la chaleur. Et moi, j'espère que vous avez vos roues de secours. Tout est une question de précision et de technique. C'est l'heure de rouler! J'adore prendre de l'élan et sauter pour attaquer ma proie. Regardez-moi bien, je suis le plus grand prédateur. Le premier duel s'annonce dévastateur. Raysay contre Gangster. Gangster va te cibler, tas de ferraille. Défi accepté. Enfin, avec toi comme adversaire, ce n'est pas ce que j'appelle un défi. À vos marques. Prêt. Visez. Badge est à moi! Et non! Ratez, tas de ferraille! Non! Alors ça, c'est ce que j'appelle de la précision! Raysay remporte le premier badge! Eh ouais! Revoyons les images au ralenti grâce à la caméra! Les deux camions se sont envolés, jusqu'ici rien d'exceptionnel! Mais Raysay a fait un incroyable 360 qui lui a permis de prendre le dessus.
en envoyant Gunster dans le décor. J'ai besoin d'aide. Et maintenant, place au prochain duel. Un prédateur face à une légende. Tiger Shark contre Bigfoot en piste. Je vais vous confier un secret, je suis Bigfoot. Normalement, c'est au sol que je suis le meilleur, pas dans les airs. Mais un looping, ça ne se refuse pas. À vos marques. Prêt. Visez. Gare à la mâchoire. Décidément, c'est un prédateur des terres, des mers et des airs. Le deuxième badge est remporté par Tiger Shark. Wouhou! Jetons un œil au ralenti pour revoir son coup spécial, la mâchoire enragée. On peut voir les étincelles de la collision entre ces deux méga-moteurs. Tiger Shark s'est servi de ses mâchoires acérées pour vaincre Bigfoot et atterrir sur la cible. Regardons maintenant le classement pour voir qui est en tête et qui ferait mieux de mettre le pied au plancher pour obtenir des badges de destruction. Grâce à leur victoire, Ace Ace et Tiger Shark remportent un badge et se rapprochent donc un peu plus de la Coupe des Champions. Bon, revenons à nos moteurs. Demo Derby, Mega Vrex, à vous de jouer. C'était censé me faire peur. Fais un effort. C'est vrai que c'est un costaud, ce petit Brex, mais là, c'est l'intelligence qui compte, pas la force. Ouais! À moi le badge! Plein gaz, dans le mille! Elle nous avait prévenu. Demo Derby s'empare du troisième badge et obtient un badge bonus pour cet atterrissage parfait. Qui peut mieux faire? Après la tornade infernale de Demo Derby, on peut dire que Mega Vrex est en méga vrac. Regardez cet angle parfait. Demo Derby a violemment percuté notre dino. Et je crois bien qu'elle l'a fait redescendre sur Terre. À l'heure actuelle, la seule chose que Mega Vrex a écrasé, c'est cet arbre. Même destin. Un peu d'action, ça vous dit? Ouais. Qu'est-ce qui est rouge et blanc et qui va perdre contre Bone Shaker? Toi. Je crois que tu t'enflammes un peu trop. On va régler ça. 3, 2, 1, Hot Wheels. Show de vent. À la fureur du moteur. Du moteur. Wow, on est dans le feu de l'action. Bone Shaker est sur le point d'atterrir au milieu. J'ai pas dit mon dernier mot. Oh, non. Ouais. Et c'est Bone Shaker qui remporte le quatrième match. Attends un peu avant de retourner dans ta caserne, Five Alarm. Ce coup de canon à eau, c'est exactement le genre de créativité destructrice qu'on veut dans la Coupe des Champions. Tu remportes donc un badge bonus grâce à ton style. J'ai peut-être pas atteint la cible, mais en tout cas, j'ai bien inondé la carrosserie de Bone Shaker. Le défi de la cible infernale touche à sa fin. Voyons un peu où en est notre classement. Race Ace, Bone Shaker et Demo Derby sont en tête. Mais il y a encore de la destruction à l'horizon. Soyez prêts pour le dernier défi de Crème Crush, la capture du drapeau. Demain, nous verrons qui a les roues assez solides pour venir à bout de la station explosive. Accrochez-vous, les amis, parce que ce défi s'annonce très mouvementé.